L'idée du livre a été de montrer la différence entre hospitalité éthique, c'est-à-dire une hospitalité qui revient aux individus ou encore à des collectifs et qui se fait en fonction d'une cause qui est comprise comme étant juste au nom de l'humanisme, au nom des droits de l'homme. Et puis, nous avons de l'autre côté thématisé une hospitalité politique, qui est l'hospitalité, disons, des gouvernants et la manière pour les gouvernants de mettre au point des règles, des lois qui permettent précisément de définir un accueil, fût-il provisoire ou durable. Et ce que nous avons voulu montrer, c'est que précisément aujourd'hui, il n'y a plus guère d'hospitalité politique. Il y a un manque de courage des gouvernants pour précisément penser, élaborer, faire accepter des politiques d'accueil.